Yo tout le monde, c'est Solution Trophy. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite à notre let's play sur Dragon Quest Builders 2. Donc la dernière fois, du coup, on est allé sur les îlots des explorateurs. Donc un îlot des explorateurs. Et du coup, on avait fait, du coup, bah on avait fait que ça, du coup, parce qu'on avait pris beaucoup de temps. Et du coup, aujourd'hui, on va parler à Philibert parce que du coup, il avait faim. Vu qu'on le remet une poule, il en a un. J'attendais ton retour, Gaëtan. Je vois que tu as trouvé une poule. Elle est sacrément jolie. Je la mange. Une fois qu'elle se mettra à pondre des œufs, finis de manger du chou à tous les repas. Au fait, est-ce que Marc Brune t'a parlé de cette île qu'il cherche pas loin d'ici? Je crois souvent quelque chose si... Je dis pas de bêtises, j'ai entendu parler d'un endroit où extraire le métal directement du sol. Il y a longtemps, les habitants des marchands commençaient avec ce qu'ils échangeaient les légumes contre du métal jusqu'à ce que les héritiers de chaos les obligent à arrêter. J'ai jamais vu du métal de mes propres yeux, alors j'aimerais bien visiter cette île un jour pour voir à quoi elle ressemble. Oh Gaëtan, j'ai failli oublier. Il y a une lettre pour toi, tu l'as lu? Je donne peut-être l'impression de me la couler douce, mais il faut savoir que j'explore les eaux du coin chaque jour sans m'arrêter. D'ailleurs, je t'ai rapporté cette lettre. Moi, qui pensais que tu préférais rester clôturé dans ton bateau plutôt que de parler aux petits gens, en fait, hein, t'es doué pour converser. Alors Gaëtan, le capitaine s'est donné du mal pour t'apporter le courrier. Va voir dans la boîte aux lettres si c'est des nouvelles importantes. Les autres voudront savoir. Alors du coup, on va y aller, hein, avec une lettre de Canel. Cher Gaëtan, j'espère que tout va bien. L'île de l'éveil, comme ma sœur Annette, la brise agréable qui souffle sur leur champ est idéale pour refroidir les niches. Sortie du four, mais elle ne parvient pas à modérer la nouvelle passion de Gilles pour la construction et infernale. Salut tout le monde de la part. Bien à toi, Gilles. D'accord, d'accord. Donc du coup, et on a une lettre de Canel. Donc la Canel, c'est la toute petite fille, hein, c'est la toute petite. Creuser une rivière. Est-ce qu'on peut se téléporter là? On peut se téléporter ici, s'il te plaît. Alors. Et où est-ce, hein? Pendant ton absence, on a fini de balayer la terre pour dégager le chemin. Maintenant, l'eau va pouvoir couler jusqu'à l'étang comme c'était prévu. Le canal est achevé. Ah, ça c'est pas mal. Tu devrais suivre le chemin pour retrouver le lit. Elle veut absolument te parler. Absolument. Allez, où c'est que lui? Bon, si tu veux bien, je vais te donner. C'est bon, à la base, elle veut trouver de l'eau, donc c'est quand même. Ça avance tranquillement, bien sûr.
On va mettre un petit peu d'huile. Comme ça, si jamais elle nous dit, on le donne partout dans les jambes. Comme ça, on avance pas mal. C'est quand une rivière, on est souvent à 50%. Bon, j'en sais pas où ils sont les autres pourcentages. Mais... là, par contre, ils n'ont pas beaucoup. Hein. Ils n'ont pas grand-chose pour 3 fois un peu. Ah non, c'est pas ce que je vais faire. Je me suis trompé de touche. Une fontaine purifiante, j'ai vu. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, j'ai cru que le jeu allait encore parler pour dire que c'est des petits. Mais c'est pas le cas. Pourquoi ça peut pas? Ah, des fois, si on se trompe de touche, ça peut plus. Si je ne pousse pas sur le tour, le jeu n'est pas mon jeu, je sais pas. Ne m'en vais pas, je ne sais pas. Voilà. Alors, il manque encore un peu d'eau ici. Je vais le mettre là sur la berge. Hop, ça va le faire, ça. Ok. Il va y arriver, on va y arriver. Bon, c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Je prends tout en dessous. En fait, c'est la même touche. Il faut appuyer ça. Si on appuie, ça fait pas la même chose que si on appuie pas sur la touche. Je pense que c'est ce qui se voit. Bon, c'est pas grave. C'est juste un petit coup de pouce. Ça arrive de prendre 2 minutes de plus quand même. Un petit peu de minutes. Mais ça ressemble à ça quand même. Vous voyez, il y a comme une rivière au-dessus.
Alors, est-ce que... Où est-ce que je pointe sur le curseur, quoi? Est-ce que on va faire quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que si jamais il y avait une cascade, ce serait... ce serait juste une cascade, ce serait une cascade. Après, je ne sais jamais, hein. Et attends, malheureusement, hein. Voilà comment vous pouvez le voir. On a dégagé un chemin pour la rivière. Pendant que vous étiez parti maintenant, il ne reste plus qu'à verser de l'eau. Et vu qu'on l'a déjà fait, je pense qu'elle va nous dire qu'on l'a déjà fait, donc du coup on passe un dialogue. Ah Gaëtan, c'est justement toi que je cherchais. Il y a de bonnes nouvelles. En inspectant la zone dont je t'ai parlé, j'ai trouvé un moyen de rendre notre rivière encore plus impressionnante. Mais je t'en parlerai plus tard, plus en détail une fois que tu auras terminé ce projet d'étang. C'est enfin le moment de poser la dernière pierre à l'édifice. Allez hop, au travail. Quelle pierre? Je sais pas quoi il parle. Une pierre à l'édifice. Maintenant qu'on a déblayé un chemin pour la rivière, c'est à toi de faire des miracles en versant de l'eau. Tu sais comment ça marche maintenant, Gaëtan? On va se placer là où tu dois verser de l'eau. Je l'ai déjà fait. Il suffit d'utiliser ton entour dans mon bas et de remplir le lit de la rivière. Waouh, Gaëtan. C'est génial, maintenant on a une belle étang, en plus une longue rivière qui serpente. Magnifique, Gaëtan. Avant, cet endroit était très aride. Sans une goutte d'eau en vue. Mais regarde à quoi ça ressemble maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus beau qu'avant. Hein. Enfin, encore, on n'a pas fini, mais... La vie reprend. C'est vrai qu'on voit ça. Quand je vois ce paysage, j'en ai presque le souffle coupé. La nature est merveilleuse. Pas vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est drôlement beau. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? C'est qu'on a construit tout ça ensemble, je suis si fier quand j'en ai les larmes aux yeux. Enfin, garde tes larmes pour plus tard, mon petit. On est loin d'avoir terminé. Je te signale parce que j'ai pour projet de transformer ce petit ruisseau en fleuve monumental. Carrément. Ah ouais, pourquoi tu déconnes pas? Le moment est venu de te dévoiler ce que j'ai découvert pendant mes recherches et d'agrandir encore plus notre rivière. Eh bien, allez, t'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec ton projet. C'est le moment d'arrêter de parler pour ne rien dire. Le mot est clé. Le mot-clé, c'est le sommet, mon petit, suis-moi. On doit aller en haut de la falaise. Il est temps. On ne trompe pas. D'après mes recherches, je pense qu'une rivière devrait couler ici au sillon. Tu vois le silage de l'ancien lit. J'en ai déduit
Autrefois, la rivière devait couler ici, jusqu'en bas, au niveau de l'étang, au pied de ces falaises. Si on pouvait redonner vie à cette rivière, je parie que le paysage serait tombé par terre. Tu vois comme les serpents jusqu'en bas, entre les rochers, c'est là que tu devras couler notre deuxième rivière. Les autres vont te montrer où verser de l'eau, où te suffira de pencher ton enfer d'abondance, ce qui fait. Allez, Gaëtan, mon petit, hein. Tu vas la connaissance de la rivière commence. Voilà. Pas mis de l'eau là pour que ça soit plus vite. Je sais pas. On va la fermer à la petite prochaine. Okay, il faut vraiment mettre de l'eau ici. Je sais pas parce que ça paraît pas vite. On va en mettre. Ça va mettre. Au travail des temps, même si la rivière coule comme au combien du temps. Attends, je crois qu'on a un problème. Ouais, il y a un problème là en fait. Il y a un mur. Hein. Grâce à toi et ton empereur magique, la rivière coule comme au bon du temps. Augustin, tu n'as pas remarqué? La rivière semble s'arrêter net. Tu n'avais pas dit qu'elle était censée se jeter dans les temps. Ben oui, un peu. Bon. On pense qu'il y a un peu de rêve quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un mur n'en est pas un ma petite hein. Quand il y a un tunnel, il suffit de creuser à la terre et la rivière coulera jusqu'à l'étang. Du coup, s'en occuper après tout. Le travail qu'on a effectué sur la rivière, on est des experts en creusement maintenant. Tout à fait. Creuser un canal, c'est exactement la même chose que creuser un tunnel dans tous les sens du terme. À un détail près, lors de mes recherches, j'ai entendu de drôles de gargouilles sortir de leur poche. C'est sûrement signe de danger. Le danger, dis-tu, je connais quelqu'un qui adore apprendre, qui prend prendre des risques inutiles. Malheureux, ça sent le danger à plein nez, le danger. Quelqu'un a parlé de danger, j'adore prendre des risques inutiles. Je crois qu'il va se passer quelque chose de très dangereux là. Tu devrais passer devant. Et toi, on va creuser un tunnel, mais il aura besoin de ton aide. Tu as la suite dans les idées de lui. Allez, Gaëtan, et alors, mettez-vous au travail dès que vous êtes prêts. Allez, mes amis, creusez la terre et raccordez cette rivière à l'étang contrebas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en occuper là, Gaëtan. On va voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat hein? Non. D'accord, en fait il reste là en mode inspecteur.
respecte les travaux. Non mais ça va être super dur de faire un trou là. Et alors vous savez quoi, on va pas faire un trou maintenant, parce que c'est la fin de la vidéo. Eh oui. Alors vous inquiétez pas, demain on va creuser le trou, parce que longtemps je pense. En 2 minutes c'est fait. Donc je vous dis à demain. C'était Solution Trophée.